Tu vas essayer de me faire tomber dans la faille là. Il aime trop jouer avec ça lui. Cours Eric Secto. Je laisse pas de go que je suis pas là. Il est trop fort. Ah il a été bon, bien joué. Il a pété! Il y a une petite différence dans le décor. Alors je vous laisse vraiment 30 secondes pour la voir. Non, 30 ça fait longtemps. Bon, vous l'avez vu, vous l'avez pas vu? De quoi? Mon cul? Nouvelle différence, ajout, spécialité, c'est ça. Ah non, mais ça change tout. Hein. Ça change vraiment tout. Hein. Il y a de fortes chances que d'ici la semaine prochaine, j'ai un nouveau décor. Donc ce sera lundi sur Twitch. Venez voir. Normalement, j'aurai un nouveau décor. Je dis bien normalement, si la peinture a séché. Et le reste. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle partie LGUHC avec un rôle emblématique. Je n'ai aucune idée du rôle que je suis parce que la game a été tournée il y a longtemps. C'est juste que j'ai oublié, entre temps, il s'est passé plein de choses dans ma vie. J'ai eu la chance de... sans oublier que... Comme je l'ai dit, LGUHC avec une finale épique. Vous allez la voir, accrochez-vous sur votre chaise. Déjà, celle de la semaine dernière a été pas mal. Hein. Mais j'ai sorti un LG la semaine dernière. On aurait pu mettre un Demon Slayer aujourd'hui. On fait un Demon Slayer la semaine prochaine. Au moment où vous regardez la vidéo, je suis certainement en événement caritatif à Bruxelles. Voilà. Venez dans la description, cliquez sur le lien de Twitch et marquez « Je viens de YouTube, nanani, nanana ». Parce que je suis clairement avec 45 streamers, certainement déjà maquillé. Peut-être à poil. Peut-être en couple. Non, non. Pas loin. Je vous laisse avec la vidéo. Abonnez-vous. On essaie d'atteindre les 100 000 avant 2034. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Ah, la map, elle est bien, là. J'aime bien quand c'est plat. Moi, je suis plus team plat que team... team vallonné. Pas bizarre. Enfin, ça m'étonnerait qu'il me demande... Ah, salut, bro. Salut, bro. De quoi vous parlez? Oh, putain. What the fuck? Tu m'as réveillé. Mais mais oui, bon, c'est toi. Ah, le montreur est ici. Oh, wow. Oh, ça va grogner. Oh. Bah non, du coup. Voyante bavarde. Oh, bah ils l'ont le bad. Ils en parlaient. Oh, la méchante. Mais pourquoi vous parlez de Jugaro Hurler? Bah, je sais pas, il y a tout un monde qui en parle, mais il y a dû avoir un hurlement. Il y a eu 17 personnes qui personne savait ce que c'était. Ouais. C'est quand? Bah, tout à l'heure, dans le coin, là, il y avait eu un hurlement au début de la nuit, quoi. Ah, Tsuki? J'ai pas réussi à la choper. Oui, Tsuki, viens, on fait bouger la game. Je peux juste crafter mes bots, genre. Scott, pourquoi t'as l'axo? Non, parce qu'on va attaquer. En fait, faut faire bouger la game, genre. Déjà, ça fait 62 minutes, on a le temps. Non, mais je sais, mais on a des suspicions. On connaît un méchant, enfin, on pense qu'on est très méchant. Mais qu'est-ce que vous faites? Il a G. La vie, je suis pas hurleur ou pas par là? Les gars, il y a Cupidia. Je rigole. Non, c'est feu, il a trouvé sur un dans un méchant. Ah, ça fait mal. Bah, comment ça, tu mets ton cœur avec un pouvoir 2? Eh oh! Salut. Par contre, il y a une carotte géante qui se fait sauter. Hein. Il est soupçonné d'être le loup-garou hurleur. D'après les infos, il y a Newalia. Il aurait kiff avec Machu Picchu. Et vu que Machu Picchu est censé être hurleur, faut se méfier aussi de lui. Le groupe que je viens de dire que je trouvais bizarre avec Max, je sais pas pourquoi ils nous ont dit ça. Ils nous ont dit on était qu'à 3, on a entendu le hurleur alors qu'il y avait personne autour. Donc, bizarre. Dans le groupe de Elenos, Elenos, Atsuki et Shou, là, il y a possiblement le hurleur. Mais en tout cas, c'est très bizarre comment ils agissent. Mais il faut faire gaffe, la voyante, ça peut vraiment être l'interprète. Genre, s'il n'y a pas d'autres specs dans les. Dans c'est les... quoi interprète? C'est un mec, il peut prendre. Il a 3 rôles à info qui sont pas dans la compo. Et il peut utiliser une fois chacun dans la partie. Genre... Et solo? Non, c'est village. Ah bah c'est bon. C'est broken de fou. Je pense que ce serait ça puisque voyante, je pense pas qu'Omega aurait mis voyante bavarde. Ouais, voyante bavarde, ça me semble un peu trop original. Donc maybe interprète. On a vu un truc bizarre tout à l'heure. On était avec Sashimi et 2 autres personnes dont j'ai totalement oublié les pseudos, navré. Il y avait Nerol et un autre mec dont j'ai oublié le pseudo. Et il y a Miko Nono qui est sorti de sous les arbres avec une gape, épée à la main, et il a dit j'ai perdu 5 heures en cave, et 2 minutes après, sous l'arbre d'où il est sorti, il y a un creeper qui explose. Alors qu'il était au-dessus des arbres avec lui. Donc voilà, un peu étrange. Bon. Au final, on n'arrive pas à avoir tant d'infos quoi. Ah.
Les gars, est-ce que Sean il pouvait pas être ange? Moi je pense que Sick est invisible. Non, Sick il est pas invisible du tout, je l'ai vu tout le temps. Hein. Non, il passe sa vie en sous les arbres. Ouais, mais c'est vrai que c'est bizarre. Mais moi je le vois souvent sous les arbres, mais enfin pas invisible quoi. Je l'ai vu tout nu donc il est pas invisible. Mais vraiment, je verrais bien Shaw ange ou rival et carotte géante du coup cible ou couple parce que. Il a forcé à mort dessus en fait. En gros, je suis arrivé au zéro et ça. Oui, avec Scott et tout. Hurlement. T'as Shaw qui pensait que c'était carotte. Bon. Je sais plus pourquoi. Et du coup, après, il y a eu le four, il a fait. Donc, t'as eu le four, t'as eu le hurleur, il a fait ah bah du coup, c'est confirmé. Oui, ça y est, c'est confirmé. Et il a dit qu'on allait. Il a dit bah go attaquer carotte. Mais vu qu'il forçait à mort et qu'apparemment, ce serait plutôt Machu Picchu le hurleur. Ouais. Je me dis Shaw, il doit avoir un lien pour forcer comme ça. Donc, je verrais bien rival ou ange. Ou voleur. Ah ouais, ok, c'est possible. Et Bichard apparemment quelqu'un qui te save toi. Et il y a apparemment qui te save quelqu'un. Non pas encore mais ouais. Ah parce que bah, quelqu'un qui m'a dit qu'il connaissait ton rôle et que toi tu connaissais son rôle. Non bah non. Ça va la démo là. Qui c'était? C'est pas grave. Pas plus d'infos sinon à part le hurlement. Non j'ai rien du tout. Bichard, quoi Bichard. Quoi Quoi faut, on a besoin de toi. En gros là nous allons briser à des épousailles et on a besoin que tu sois notre curé. Ouais ok. Messieurs RLAS et messieurs Elenos, comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va. Nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer l'union de deux personnes. Mute-toi, RLAS, c'est chiant. Ton micro de mort. À ma gauche, RLAS. Jeune personne de sexe masculin. Très attirant, certainement, de ce que j'imagine. Elenos. Jeune personne aussi, du sexe masculin, qui est un peu vert aussi, mais ça on s'en fout. Okay. Non, alors en fait, j'explique, regarde. En fait, je suis un canard. Ah, t'es un canard. Ah oui, t'es un canard avec ton mec. Parce que les canards, c'est des dieux. En fait. Ok, je vois. Bizarre. En fait, je suis le prophète de la religion canardesque. Voulez-vous prendre pour époux Monsieur RLAS présente à ma gauche. Oh, vos gueules! On fait une union! Silence! Elenos! Voulez-vous prendre pour époux Monsieur RLAS présent à ma gauche? Je le veux. RLAS, voulez-vous prendre pour époux le prophète des canards présent à ma droite, Elenos? Oui. Par les droits et les lois qui me sont conférés de la loi de 2013 autorisant le mariage homosexuel, RLAS et Elenos. C'est 2015, c'est pas 2013. RLAS. Ok, je suis juste con alors. Elenos. Vous pouvez épouser la mariée, le marié. Merci monsieur le prêtre. Pas de soucis. Content d'avoir pu célébrer votre vie. Hein. Oh. Je me suis fait fumer par le groupe de Krixi. Et qui est Krixi? J'ai pas eu le temps de voir, je suis allé dans leur groupe. Ils m'ont dit y'a des gens qui ont confiance en toi. J'ai dit pas particulièrement, je me suis pris 3 coups d'épée et ça a dit non flemme de leur côté. Ok, y'a de plus en plus d'infos, c'est cool. Ouais. On a pas mal de choses à te. J'ai entendu pour Exi. On est quasiment sûr que dans le groupe de Damien il y a des loups. Ouais. Et des bons rôles et surtout Shaw est 100% loup parce que bah clairement il reste avec Atsuki depuis le début de la game. Il y a eu deux greux, Atsuki vient de mourir, elle était montreuse d'ours. Et le problème c'est que Shaw est peut-être voleur parce que à ce qui paraît c'est lui qui a tué une carotte géante qui était loup-garou. Ah ça serait très fort ça. Peut-être qu'il était voleur, il a tué le loup-garou, ça a grogné au jour d'après. C'est trop vague comme info, enfin comme supposition, il n'y a pas assez de... Oui mais bon le problème c'est que... On va pas attendre 3 heures de jeu non plus. Le problème c'est que là on perd le montreur, on n'a pas 800 infos. On a perdu l'analyste aussi. Qu'est-ce que je veux dire? Non Scott je ne l'ai pas revu depuis 20 minutes. Ouais. Parce que... Le montreur était avec eux mais... Ah. Moi je pense que Scott est méchant. Je pense que Scott est méchant, je pense qu'il est quoi. Et là les gars sous les arbres il y a quelqu'un là en sneak. Ah non c'est une vache. Oh putain. Non mais je suis sûr d'avoir vu une armure en fait, c'est ça qui me stresse. Après tu sais que si ça avait été Glee ça aurait été la même personne. Une armure pour moi c'était pas une vache, c'était bleu. Une vache c'est pas bleu. Qu'est-ce qu'il y a? Machu Picchu il est méchant. Probablement le groupe de depuis est méchant. Ok. Alors est-ce que c'est du flair? Non parce que flair on aurait eu un message. Ah oui. D'abord mais un mec cramé. D'accord. Faut pas les gars quoi, il faut y a un minimum discret quoi. Mais je pète un câble. Faut y a un minimum discret quoi. Il m'a fait de la peine la vie de ma mère. Et des max. Il est mort. Oh merci. Ouh là là là, j'étais à 3 coeurs hein.
Bah, ils étaient mal cachés. Bah oui, ils étaient. Surtout, ils parlaient, genre. Ah, mais c'est Mikonono, ouais, voilà, on le savait qu'il était bizarre, lui. Ah, il était infect. Ils étaient cachés sous les arbres et ils ont dit, tiens, les gars, on est cramés, je sais pas. Les gars, d'ailleurs, j'ai une question. Paresse, est-ce que vous avez 100% confiance en moi, tous les deux? Bah, je peux pas, mais tu m'as pas attaqué, mais j'ai pas. Ah, okay. Non, je te jure que non. Si, si, non, mais il m'a, vraiment, il m'a aidé. Vrai, il m'a les gars, fais-moi pas. Il est pas loup, mais faites-moi confiance. Mais non, il est pas loup. Il est pas loup, mais je jure que je l'ai mis. Je sais ce qu'il est. Je vous jure. Il était juste là. Je vous promets, faites-moi confiance. Voilà. Ah, mais comment tu savais? Bah, parce que je l'ai vu tout à l'heure faire un truc trop bizarre. Moi, je voulais dire, il était invisible et il parlait avec des loups. Les gars, vous avez des bottes ou pas? J'étais pas sûr que ce soit sa voix. Mais du coup, là, si. Bah, loup-garou Omega. Loup-garou Omega, Kenzo. Roll solo, I'm Harry Nacon. Roll solo ou voleur? Parce qu'il avait une TK. Ouais, tout ça en même temps, les gars. Mais ils sont partis, je les voyais plus. Il a peut-être été swap, hein. Il pouvait être assassin. Ah, ou alors il s'est fait glimmer. Ah, c'est possible du coup. Oui, oui. S'il avait une TK, il y a moyen qu'il s'est fait glimmer. Ou alors il s'est fait trublion, il y a les deux. Non, bah il l'aurait pas gardé. Eh les gars, ça fait longtemps que vous avez pas vu, vous avez des infos? On vient de tuer deux loups, non? Alors, bah moi j'ai vraiment tous les méchants quoi, genre. Alors le couple c'est Scott, feu ça brûle, et bon, l'arc punch, ouais, ça tient la route, ça brûle. Oui, I'm je sais pas quoi là. Il y a deux autres méchants, mais j'ai pas leur pseudo, j'ai oublié. Kenzo et Lou. Je me suis fait attaquer. Kenzo, on l'a coupé. Ouais, une carotte géante, il était pas LG, il était solo, il avait une sharp 4. Et il y a Tuki, elle s'est fait tuer par le coup. Ok, ça me va. Bon, bah, Scott ou I'm Jai, je sais pas quoi là, il y en a un des deux qui est Grimmer. Ok. Ouais, je suis sûr qu'on avait tué un rogue de gros. Oui, on a tué les deux LG sur 3 là. Et j'ai tué le. Et on a tué le feu follet aussi. Quoi? Il y a un problème, il y a un loup, mais on sait pas c'est qui. Il y a eu les puces, il y en a deux qui est LG. Attends quoi? Hein? Il y a eu l'événement. Je sais pas, ils ont un événement aléatoire ou je sais pas quoi, je peux pas tout comprendre, j'avoue. Ok, bah c'est toi, je te tue, je te jure, je te tue. En fait, bon, t'inquiète pas, que tu vas mon arc, tu vas le sentir. Ah ouais? Bon, potentiellement, toi, t'es potentiellement un Briac aussi. Hein. Mais j'étais avec Bichard. Y'a Damien qui est mort. Derrière, Scott, okay, Scott, Scott, Scott. Garou, solitaire, solitaire. Vous savez. Oh les gars, je suis le meilleur stratège ever, c'est incroyable. Non, t'es pas avec lui. Allez, on vient tuer le loup là. Oui, vous avez rencontré le groupe de tête. Derrière toi, retourne-toi. Oh non, Fares. T'as pas envie de faire ça, Fares. Merci. Fares, je pensais qu'on était copains. Du coup, t'es quoi? T'es solo, je me doute, mais. Non, je suis pas solo. Oh, c'est technique. Qui s'est fait? Moi? C'est bon. Je te jure que je suis avec toi. Enfin, je suis pas avec toi, mais. Au secours, ma souris, putain! Il est mort. Oh, oh, il m'a pété. Oh non, la tristesse. J'avais des bottes à te donner en plus. Ah, dommage. Oh la dinguerie. Pour 2021, les gars. La deuxième chance pour 2021. C'est pour ça que j'y suis allé comme un con. C'est parce que je me suis dit qu'il y aimerait, en fait. On va me faire une remontade, alors. Fares, comment il est mort, l'autre? C'est Briaclou. Briaclou. Briaclou, ouais. Ouais, avec Scott. Ils sont tous les deux là, devant, d'ailleurs. Ah bah il est là. Ah. T'es pas une catin toi? Non, je suis pas une catin du tout. Ok. Au contraire. Chaud, j'ai vraiment des infos, je suis de raisin et ancien. Ça c'est sûr. Chaud était quoi du coup? Non, Chaud était... Attends, fais voir. Braconnier. Mais il doit plus rester tant de LG que ça. Hein. Alors Il y a au moins 6 ou 7 LG morts. Il est bizarre Max Rogue, hein. Il pue. Demain le début de la galette des rois ou... Oh putain. Nous on voit qu'il nous a dit sur TS en mode ah, c'était pas jus de raisin ancien. Ah, ça va être gros. Bah c'est un appât, attention. Oh, et des boîtes, oui, Yamete. Toi t'es safe, Remna est safe, Fefe Sabrul a skip Cupidon, Angie Nacon a skip méchant, Briac méchant, Ju safe, King j'en sais rien, moi safe. Ratex apparemment méchant. Max Rock méchant. Ah oui, gros méchant moi. T'as buté le braconnier? Bah non, vraiment, j'étais avec Fares quand il est non, mort. Non. J'étais avec Fares quand le braconnier est mort. Hein. Bichard, explique-moi pourquoi alors il a dit au braconnier. Non, attends, retourne-toi, j'attendais juste que les deux viennent de nuit. Mais c'était pas la nuit, et tu comprendras à la fin de la game ce que j'ai voulu avec lui. C'est pour vérifier son rôle juste. Et je l'ai bien compris. Non, j'ai juste bien compris son rôle, garçon.
Ah, bienfaiteur. Aïe. Pourquoi il y avait des. C'est groupe de 3, les gars. Non. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, on va le prendre cupidon, nous l'Alia. Je crois que c'est feu fait ça brûle. Groupe de 3. Y'a la moitié de la game qui vous accuse d'être en couple, toi et Briac. Non, non, on va prendre Nel avec nous. Briac est méchant. Bah après, Briac m'a quand même tué quoi. Enfin. Aïe. Et j'ai. Y'a un mec invisible qui tire des flèches là. Go se barrer, on a pas le droit de fight. Mais j'ai de raison, il est invisible. Oui. Il a encore le perfide. Petit... Briac derrière, let's go. Hugo. Ouais, bah c'était sûr qu'il était méchant lui. Bien, t'as vu ça? La nuit est dans une minute, il est en cours. C'est encore pas mal de loup par contre. Non. 3 mois, non. 4 quoi. Comment tu sais? Comment tu sais? Parce que j'ai libéré tous tes copains. T'as libéré tous mes copains? Oui. T'es encore avec moi là? Ils sont pas venus? C'est abusé! Et Max? On est déjà en train de fight? Là, je suis là, t'es où? Il est descendu. T'es avec moi? On descend? Max? Oui. T'es où? Bah là, mais il y a Corinne sous les arbres en fait. Où? Je sais pas. Bah bref. Honnêtement. Il reste 4 LG t'as dit? S'il reste 4 LG, me tue pas. Essaye de me baiser comme ça là. Non, Paris m'attaque. Paris m'attaque. Il a tué Nel. Il a tué Nel, oui bien sûr. Si t'as eu le rôle de Nel, tu t'es obligé de me suivre quoi, franchement. Si t'as eu le rôle de Nel, t'es obligé de me suivre, fils de. Attends, il avait quoi Nel? Toi t'es méchant toi. Non, mais attends. Bon. Oui. Non, il reste 4 loups, hein. Gleck m'a dit. Hein. Oh merde, il reste 4 loups. Ah non, il reste 4 loups. C'est vrai, c'est pas facile. Mais j'avais bien raison, vous étiez bien en couple quoi. On venait de se rejoindre. Oui, non, mais je sais, mais ça veut pas dire que t'es pas en couple, frérot. T'as deux. T'as deux pièces. Est-ce que t'avais oublié ou tu gardais un coup? Ah non, j'avais toujours ça dans un coin de ma tête. Après, s'il reste 2 loups, c'est pas heureux de me tuer. Parce que je suis pas loup, moi. Moi, je suis pas villageois. T'es vraiment sœur, frérot, je le sais, je suis jumeau. Bah non. Si. Ok, oui, tu sais. On était ensemble à 50 minutes de jeu, j'ai le rôle. Comment t'as eu le punch du coup? Oh, ouais, Matelot. Ok, c'est le moment de chanter, ok. Merci. Non, bah non, bah du coup. Je voudrais un. Merci, continue. Là, je sais trop mal. Ah, mais y'a pas reste là. Non, mais y'a pas pour le coup, c'est ça que je veux qu'il m'aide. Et le coup, venez m'aider, je peux win avec vous, là. Ah, il est rival. Allez. Après, enfin, si vous aviez vu le couple, quoi. Mais on, celle qui sait le couple, c'est Scott. Ah, mais ils ont 50 gapels chacun, quoi. Oui, je sais, mais il y a des chances qu'on les drop. Parce que feu ça brûle, je sais que je peux le drop rapidement. Mais de toute façon, même s'ils avaient pas 50 gapels chacun et qu'ils étaient dans la merde, tu nous dirais ça parce que c'est dans ton intérêt qu'on reste tranquille alors que c'est pas dans le nôtre. Oui, c'est vrai. Finalement. Ah, il était ange déchu. Mais d'accord. Oh là là, je cours si mal. Tu vas essayer de me faire tomber dans la faille là. J'ai peur là un peu. T'es trop chiant. Hein. Et voilà. Cours Eric, c'est court. Je laisse pas de go, blanc, je suis pas là. Ah, il a été bon, bien joué, il s'est joué avec les failles, il est trop chiant, je le déteste. Jure, c'est passé. Est-ce que le jus de raisin est loin? Il faut que je retrouve le jus de raisin. J'ai commis déjà en face où j'avais raison depuis le début sur Maxpod. Ouais, t'avais raison. On va rester à côté parce que, bah, de toute façon. Là-bas, j'ai repéré pas loin de toi, il y a un petit lac. Je pourrais peut-être jouer avec mes Death Riders si on arrive à y aller. Ouais, il est là. Ça va être dur là. J'aime bien. Et c'est qui? Et I'm Edging Kuni Kun là, il est quoi? Pour moi, il serait LG étant donné qu'il a essayé de me shooter quand j'ai. Et ils ont dit qu'ils étaient que deux. Et que Briac et. Voilà, ils sont là. Tout derrière, ils sont là. Hein. On a peut-être un couple là. Non, c'est feu, couple avec Scott. Je pense que là, honnêtement, on va devoir jouer avec le dernier LG. Du coup, non. Compliqué. Mais du coup, on va s'abstenir quoi. Après, c'est un 2v2. Hein. Bah écoute, on se refait comme la dernière fois, une petite finale. Hein. Allez. Nous sommes en finale contre le couple. Je suis actuellement avec Jus de Raisin face à Feufeu Sabgul, I'm Injection. Difficile à dire son pseudo à lui aussi. Hein. Et Scott. En face de nous, ils sont trois. Nous sommes deux. Nous avons un seul atout. Et Death Rider de Jus de Raisin. Et nous allons essayer de bien nous en servir. On sait qu'il y a un lac situé à côté du 0-0.
Notre objectif est de trouver nos assaillants et de les attirer directement dans notre piège. Pour gagner, notre objectif est simple. Il faut tuer l'un des deux membres du couple. Si le couple meurt, le Cupidon gagne avec le village. Et du coup, nous gagnerons à 3. Donc il va falloir pas trop attaquer le Cupidon, mais se défendre quand même, tout en attaquant le couple. Et c'est la partie la plus difficile de cette partie, mesdames et messieurs. J'ai dit deux fois partie. Bonne année à tous. Ils sont là. Bah c'est le Cupidon, ouais, t'as raison. Du coup, ils sont deux punch, hein. Vas-y, t'inquiète. Viens, suis-moi. Tu sais où on va, Ouais. On va aller ? Ouais, tranquille. Ah non, pas tranquille. T'inquiète, je mets des flèches. C'est juste à gauche, là, Tu peux sauter. Vas-y. Venez. Donc, Aïm, je pense qu'il faut le buter en dernier. Si on veut le tuer. Scott ? Mort, c'est bon. Putain, vous êtes les boss, les gars, vous êtes trop forts. GG. Ok, tranquille, joue le temps. Yes. GG, les gars. Oh mon dieu. Attends, non, je comprends pas. Mais Aïm, oh, tu as sauté.